Salut à tous, c'est Matenger pour la vidéo découverte de Outlast. Alors Outlast, qu'est-ce que c'est? Ben c'est un jeu vidéo qui est sorti le 4 septembre de cette année, hein, il n'y a pas longtemps. Il est sorti la semaine dernière donc. Et c'est un type survival horror. J'aime pas trop hein, les jeux d'horreur. Ça me fait flipper donc on va faire cette vidéo pendant 15 minutes, voire un peu moins. On verra, je vais vous dire ce que ça va donner à la fin de cette vidéo. Je pense que je vais pas beaucoup parler, mais bon. Et les développeurs hein, de ce jeu, c'est Red Barrels. Ou c'est peut-être le développeur, il s'appelle comme ça, Red Barrels. Peut-être qu'il est seul à avoir fait ce... Mais en tout cas, je crois avoir entendu parler que c'est les anciens d'Ubisoft et d'EA qui ont fait ce jeu. Voilà, hein, ceux qui ont été virés de EA et d'Ubisoft, ils ont fait ce jeu, je crois que c'est ça. Bon, on va passer au jeu, hein, je vais pas trop parler. C'est parti, donc là vous voyez que j'avais déjà commencé, j'ai juste été juste vu le début pour voir si ça marchait bien. En tout cas, sans frappe, ça marchait. Là maintenant, on verra si ça marche bien avec frappe. Allez, nouvelle partie. Alors, Outlast hein, contient des scènes de violence, nanani, nanana, on s'en fout, on va passer tout de suite au scénario. Alors, vous incarnez Miles Upshur, un journaliste d'investigation dont l'ambition va lui faire connaître l'enfer sur Terre. Toujours avide d'enquêter sur les affaires qu'aucun autre journaliste n'est prêt à étudier, vous allez chercher à révéler le sombre secret que recèle l'asile de Mount Massive. Tâchez de rester en vie le plus longtemps possible et enregistrez tout ce que vous verrez. Mais vous n'avez rien d'un combattant, alors pour parcourir les horreurs de Mount Massive et dévoiler la vérité, vous devrez fuir, vous cacher ou mourir. Voilà, donc là, on est donc Miles Upshur, on est un journaliste, on va aller dans l'asile de Mount Massive et tout simplement, faudra filmer, enregistrer quelques petites choses. Apparemment, il y a des monstres, on verra ce que ça donne. Mais en tout cas, on peut pas combattre. Donc pas de flingue, pas de coup de poing. Il est un peu manchot. Mais voilà. En tout cas, c'est parti. Un petit temps de chargement, je l'avais oublié celui-là. Donc voilà, on y est. Donc là, à partir de là, je ne l'ai pas fait, hein, vous inquiétez pas, c'est de la totale découverte. Donc, 17 septembre 2013, en plus, c'est les dates de maintenant, donc ça c'est vraiment bien. Donc, vous ne me connaissez pas, il faut que je fasse vite, il surveille, peut-être. J'ai fait une mission de 2 semaines en tant que consultant logiciel sur un site de Murkoff Psychiatric System à Mount Massive. J'ai signé une série d'accords de confidentialité que je suis en train de violer en ce moment même. Mais franchement, ils peuvent aller se faire foutre. Il se passe des choses terribles là-bas. Je n'y comprends rien. Je n'arrive pas à croire à la moitié des trucs que j'ai vus là-bas. Les Toubibs parlent d'une thérapie onirique qui allait trop loin, de la découverte de quelque chose qui les attendait dans la montagne. Des gens souffrent et Murkoff s'en met plein les poches. Il faut dévoiler ça au public. Ok. Donc là, apparemment, il a pris des piles. Et sa caméra. Ok.
Ça fonctionne bien. Et on va enfin sortir. Donc le mec, hein, il a pas peur, il va tout seul. Oh putain, ils sont cons quoi. Les objectifs sont mis à jour dans votre carnet tab, qui contient aussi vos notes N et les documents récupérés J. Ok, donc objectif enquêter sur l'asile de Mount Massive. Ok, donc faut l'enquêter. Bon ben, de toute façon, on va faire ça du début jusqu'à la fin, je suppose. Donc à ce que j'ai compris, à ce que j'ai vu, j'ai pas vu grand chose. Hein, je me suis pas spoilé, mais j'ai vu qu'il durait à peine 5 heures. Pour 19 euros, ça va, 5 heures c'est assez quoi, c'est très bien. Ok, bon bah là, les notes, hein, y a rien logiquement, et documents, il y a celui qu'on vient de lire, donc ça c'est ok. Bon, d'accord. Alors, je sais que on peut prendre la caméra. Ok, c'est comme ça. Alors, on zoome hein, avec la roulette. D'accord. Avec clic droit, on met la caméra et on l'enlève. Par contre, comment on met... C'est peut-être F. Ouais, voilà, c'est F. Pour voir dans le noir. Hop. Donc là, apparemment, c'est pour esquiver. Mage, c'est pour courir. Pour ouvrir rapidement une porte, appuyez sur le bouton G. Souris gauche. Ok, bon, bah, c'est parfait. Pour lever votre caméscope, appuyez... Ouais, je sais. Donc là, il n'y a pas grand-chose à filmer, de toute façon, mais on va filmer. 20 secondes. Alors, j'étais à 20 secondes, là. Hop. 21 secondes. Oh, putain, qu'est-ce qu'il y a? Attends. J'ai rien vu. Et apparemment, il a noté quelque chose. On va aller voir. Rien qu'à la vue, putain, il a été vite pour écrire tout ça, hein. Rien qu'à la vue de cet endroit, je commence à me sentir mal. L'asile de Mount Massive, discrètement fermé par les autorités sur fond de scandale en 1971, rouvert par Murkoff Psychiatric System en 2009, sous couvert d'une œuvre caritative. Perte du réseau de téléphonie mobile à 1,5 km plus probablement à cause d'un brouilleur, que d'un problème de couverture, la Murkoff Corporation camoufle depuis longtemps ses activités rentables derrière des œuvres de charité. Mais jusqu'ici, jamais sur les territoires américains, je ne sais pas ce qu'ils font ici. Mais ça a l'air d'être un gros coup. Peut-être que de quoi les faire couler si l'article réussit à apparaître. Ok. Donc là, il y a écrit tout ça. Donc c'est pour se mettre dans l'ambiance et dans le scénario, hein, de toute façon. Donc là, on va avancer un petit peu, on va enregistrer, on va filmer, on va enregistrer tout ça. J'ai pas envie de rater aucune chose. Oh putain, il y a quelqu'un là-bas. Trop fort. J'ai enregistré ça, c'est parfait. C'est peut-être des gens normaux, hein. Y a pas de souci. Mais je préfère filmer. Je sais pas s'il est censé avoir quelqu'un là-dedans. Donc là... Il y a des camions, je suppose, de camions militaires, je sais pas. Bon, on va rentrer. Allez, on va courir un peu. Ok, bon. On entre. Ah, c'est fermé. Ok. Ok, donc c'est fermé. On va essayer de trouver un endroit ouvert, tout simplement. Je suppose derrière. Donc ok, donc là, en haut à droite, hein, je vois 2 sur 10. Donc là, il y a la batterie. Donc faut peut-être pas enregistrer tout le temps, sinon on est dans la mouise quand on sera dans le noir. Ah merde. Ok, donc je pense qu'il faut trouver quelques petites choses. Donc on va essayer de trouver. Oula. En fait, c'est lui là. Qui... Bon, l'ambiance pour l'instant est assez bonne. Bah, calme. Des petits bruits par-ci par-là. Le mec hein, qui. On entend son souffle. Graphiquement parlant,
C'est beau. C'est pas exceptionnel, mais c'est super beau. Les couleurs, etc. Pourquoi ça bouge tout seul, ça? Bon, y a pas tellement de... oula! Putain, mais ici, j'aurais pas vu. Alors, c'est pour m'accroupir. Ok, on va pouvoir passer par ici. C'est parfait. Voilà, ça a sauvegardé. Je regarde, hein, au cas où. Non, y a rien écrit. Oh putain, qu'est-ce qu'il y a? En fait, c'est en réappuyant sur table pour partir que ça fait ça, apparemment. Je pense qu'on va pouvoir rentrer là. J'ai regardé quelques... Alors, le caméscope étant actif, vous pouvez zoomer à l'aide de... Ouais, ça, je sais, je peux zoomer comme ça. Il n'y a pas de souci. Je l'ai bien vu. Alors ici, il y a une ouverture. Donc, en fait, il faut peut-être passer par cette ouverture. Hein, je me trompe, peut-être. Peut-être ici, c'est fermé aussi. Ouais, c'est aussi fermé. Donc, c'est bien là-bas. Ouh, putain, putain, non, mais... J'ai eu peur de ça. Je suis con, quoi. C'est juste une fenêtre. C'est bien qu'on peut zoomer comme ça. Je peux vous faire voir vraiment ce que je regarde. Même s'il y a un petit point, là. Mais ce qui sert pas à grand-chose, je trouve, dans ce jeu. Je crois que dans les options, on peut l'enlever. Donc, si vous voulez une suite de ce jeu par la suite, il n'y a pas de souci, hein, je le ferai. Ah, et puis on voit le mec, hein. Ça, c'est bien fait, moi j'aime bien. Oh putain, qu'est-ce qu'il y a? Ah, j'aime pas ça. Je vais juste dans l'eau et... Oh putain, c'est énorme. Bon. Putain, mais arrêtez de faire des bruits comme ça. C'est juste le début, les amis, hein. Espace. Ok, merci. Hop. D'accord. Voilà, la panoplie de gameplay est assez bonne quand même. On peut courir. Parce que souvent dans ce genre de jeu, on peut pas courir, hein, c'est normal. Enfin, c'est normal entre guillemets, quoi. Oh putain de merde, ça va commencer. Hop. Putain, les enfoirés, ça va commencer maintenant, quoi. Puis tout à l'heure, c'est ouvert, mais non. Remarque, la vision nocturne épuise la pile. Ah, c'est la vision nocturne, ok, qui épuise la pile. Donc, c'est pas la caméra en elle-même. Ouais, mais c'est chiant, là. En fait, on est obligé de... En fait, c'est bien fait, parce que... C'est pour obliger le mec à aller vite. Bah, moi, quoi, en fait. C'est pour pas trop prendre de temps. Donc là, je peux l'enlever, je pense. Ouais, parce que là-dedans, vraiment, on voyait rien. On était obligé. Donc là, on va aller tout droit. Ça fait flipper, hein. Putain! Connard! J'aime pas ça. Alors moi je vous dis, dans les survival horror, dans les films même d'horreur, hein, j'aime pas les cris de fillette et les pleurs de bébé. J'aime pas ça. Surtout ça que j'aime pas. Ouais, ça va s'éteindre ça. Non? Non. Allez, j'ouvre, je suis un fou. Donc là, il y a un document, on va le prendre. Alors, bouton gauche. On va le lire, document. Projet Wallrider, compte rendu d'état de patience. De patient plutôt, pardon. Alors, statut de la thérapie. Le patient déclare avoir progressé vers des états de rêve lucide auto-induit. Activité de moteur morphogénique à une échelle sans précédent, poursuite du programme hormonal niveau 4. Diagnostic, le spirométrie n'a révélé aucune accumulation bronchique. Pour point très inquiétant, il a de nouveau été possible de séparer les érythrocytes. L'IRM a révélé une arythmie des mouvements oculaires rapides, non rapides. Rire à l'état non rapide. Qu'est-ce qu'il raconte? Note de l'entrevue. Billy a demandé où en était le procès intenté
par sa mère à Murkoff et à l'asile. Ceci constitue une faille de sécurité gigantesque. Malgré le fait que Billy ait déclaré avoir découvert la vérité dans les rêves sanglants du docteur Trager. Remarque, le seul Trager figurant dans les registres de la société, un dénommé Richard Trager, pardon, est un cadre de MRD. Il va falloir interroger tous les infirmiers et personnels de sécurité et examiner les vidéos de surveillance afin d'inclure la biométrique analytique. Ok. C'était beaucoup de parlotte, ça. Ben moi, je vais vous dire qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo découverte. Parce que ben, ça fait 15 minutes et moi, je dois faire autre chose, hein. C'est logique. Donc si vous voulez la suite, moi, j'ai vraiment envie de vous faire la suite en vidéo. Mais c'est à vous de me dire si vous voulez la suite. Et puis voilà. Vraiment, pour le moment, il y a une ambiance de taré. Vraiment, j'adore. Donc, ben, à la prochaine, peut-être avec ce jeu. Qui m'a l'air de vraiment d'être très très bon. Et puis voilà. Allez, à plus tard. C'était Matenja.